Je suis capote. Ouais, je suis capote, man. Aujourd'hui, là, je suis complètement capoté. Après avoir joué à mon petit jeu favori, Fallout, puis j'ai vu plein d'affaires à propos de radioactivité, puis tout ça. Oui, puis là, mon ami, j'ai un gros journal. Nouvelle liste de Trois-Rivières. Ah, ben, mon ami, on va aller lire ça. Il est grave que je cherchais un projet d'investissement. Ouh, des centrales, ben je peux pas l'investir là-dedans, ça a l'air un peu inquiétant ça. mais non, je me poserai, réfléchis à ça. Est-ce que je vais aller investir là-dedans? Mais là, une idée de génie m'est arrivée. Oh! En feuilletant ce journal extraordinaire, j'ai trouvé quelque chose. Et oui, qui est... Oh! Citrouille. Une citrouille de 1630 livres! Wow! Hey, je capote! Oh, un petit truc de 1630 livres! Ça se fait pas! Où ça? Oh ben! Où ça? À Gentilly! Ouh, c'est capote! Ben, investir! Oui, je trouve des partenaires! Mais là, je vais appeler M. Charest pour il me conseille! Ouais, je vais appeler M. Charest pour qu'il me conseille parce que là, j'aurais envie. Vraiment d'investir là-dedans. Puis en plus, j'ai entendu parler que l'ancien maire de Bécancourt, Maurice Richard, il a décidé de vendre son terrain pour s'en aller rester à Montréal. Il n'y a pas de commentaire pourquoi. Mais moi, ça m'intéresse. J'ai allé sur son terrain. On a fait pousser des gros carottes. Puis on va faire des maisons avec ça, des super grosses maisons. Puis là, en plus, on n'aura pas besoin de fourneau dans ma maison de carottes. Pourquoi? Mais non, ben pas non, c'est facile à comprendre. Une centrale nucléaire, c'est comme un gigantesque, un gros tabac, une tête de micro-ondes. Oui, un gros tabac, tête de micro-ondes. Ça dégage des ondes, puis ça réchauffe les affaires. Puis je pense même que certains citoyens, ils perdent un peu la tête. Ils sont prêts à travailler pour souffrir. Puis en plus, ils sont prêts à travailler pour faire souffrir. Ouais, il faut que j'arrête, là, je t'arrête de tapoter. Oh, 1630 lignes. Je capote. Oui, la plus grosse investissement. En plus, j'ai des collaborateurs. Oui, des collaborateurs. J'ai un monsieur, Jeannot Lapin de Fouquier-Giamari. Il va investir lui aussi. Il est tout au courant comment ça marche. Puis il dit, ça pousse plus vite, c'est normal. En passant, monsieur, vous avez un peu triché. Vous avez eu un petit peu d'aide de gentil. Bon, ça pousse plus gros. Mais ça grandit. Sacrement. Ça en fait des lapins qui pourraient vivre là-dedans. Oui, un autre collaborateur aussi à Tchernobyl, oui. Je l'ai appelé. Oh! Oui! En tout cas, vous devriez voir. Le monsieur, là, il m'a dit, je vais travailler à condition que le président là-bas, il est d'accord. Oh! Mon père, monsieur Poutine! Poutine! Poutine!